L'établi des mots, c'est une librairie généraliste de quartier et coopérative. Alors, si on a choisi ce statut spécifique de SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, c'est qu'il permet d'associer largement différents types d'acteurs, en fait. Les salariés, mais aussi ce qu'on appelle les usagers, qui sont les clients, les bénéficiaires d'une librairie, et aussi d'autres acteurs, alors que nous, on a pris sous une forme de partenaire du quartier, le soutien au quartier, au développement économique et social du quartier, qui sont des associations, des entreprises. On a aussi des partenaires autour de ce qu'on appelait livre et lecture, donc plutôt la filière métier, autour de la culture, de la lecture et du livre. Et puis une troisième catégorie de partenaires qui sont les partenaires financiers. Nous sommes une entreprise, donc on a aussi besoin de financement pour pouvoir fonctionner, donc des partenaires qui apportent du capital et des parts sociales à la coopérative. En fait, donc, au tout début du projet, il y a eu l'idée de Benjamin, en fait, qui est responsable des éditions du commun. Donc, c'est une maison d'édition qui est basée sur le Blône, qui a rêvé et imaginé une librairie sur un quartier prioritaire. Et donc, ils se sont rencontrés avec Laurent, qui était à ce moment-là bénévole libraire à Bécherelle, donc, pour l'association des idées et des livres. Et donc, ils ont commencé à imaginer en fait, ce que pouvait donner une librairie coopérative, comment on pouvait travailler tous ensemble. Et l'idée, c'était vraiment de venir sur un quartier, et notamment au Blône. Et voilà, et moi, je les avais rencontrés par d'autres biais, et quand on a commencé à parler de ce projet-là, moi, ça a fait une résonance énorme, en fait, avec les actions du Petit Blonneur. Voilà, nous, on est sur le quartier depuis 4 ans, et c'est justement redonner, réimpliquer les habitants, en fait, dans leur quotidien. Et donc, à la base du projet, il y a ces trois structures-là. Et puis après, très vite, il y a d'autres personnes qui sont venues, mais à la base, c'est vraiment les trois structures. Je suis présent dans le projet depuis le début, depuis l'idée qui a germé il y a 3 ans. Donc je fais partie d'une équipe assez soudée qui, depuis 1 an et demi, formalise le projet, crée la dynamique. Et je suis aussi l'actuel président de la librairie en coopérative, donc le président de la coopérative. Alors en fait, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le projet, et l'association Petit Blonneur, en fait, moi je suis venue sur ce projet parce que c'était au Blône et que ça rejoint complètement ce qu'on fait avec le Petit Blonneur, c'est-à-dire qu'on redonne une part active en fait à l'habitant en devenant citoyen, acteur de son quartier. Et voilà, et c'était en fait le projet de la librairie, c'était ça en fait vraiment de redonner la parole et de retisser du lien en fait autour du livre. Aujourd'hui, je suis libraire avec 2 autres collègues qui sont Gabriel et Nadège. Et donc, on fait fonctionner la librairie du mercredi au samedi. Donc, l'idée d'avoir fait l'établi des mots en SIC, c'était vraiment que ce soit la librairie de tout un chacun, tout un chacune, de faire en sorte que le plus de gens s'y investissent et comprennent le fonctionnement à la fois d'une activité économique, mais aussi d'un lieu ouvert à tous et toutes. Et ça démarre dès le départ où il n'y aurait pas de cohérence à ce que le projet soit porté par 2-3 personnes discrètement si c'est pour en faire un projet des habitants et habitantes. Donc dès le début, dès que le projet est devenu concret, on a mis en place des commissions pour impliquer toutes celles et ceux qui le voulaient
dans différentes activités qui régissent une librairie. Donc ça va de la commission librairie pour la vie du lieu, l'aménagement du lieu futur, la commission de communication qui va de la communication entre les sociétaires mais au-delà aussi, comment on parle de la librairie et des livres au-delà, et la commission coopérative qui elle a pour enjeu de faire vivre cette vie coopérative, de comment on s'organise toutes les sociétaires que nous sommes dans l'investissement qu'on donne au lieu, les prises de décision, etc. Alors les sociétaires donc, qui font partie de la coopérative se sont déjà impliqués au moment de la création et de la mise en œuvre du projet, par exemple à travers le choix du nom, à travers le choix des ouvrages, la ligne éditoriale, puisqu'on l'a construite en lien avec les habitants, coopérateurs, coopératrices. À l'avenir, maintenant que la librairie est ouverte, vont pouvoir s'investir dans différents ateliers, dans différentes animations qu'ils vont proposer, qu'ils vont relayer, auxquelles ils vont participer. Donc les habitants proposent différentes initiatives, comme par exemple faire venir des auteurs. Là, on va accueillir Franck Lenoir qui a écrit le petit traité du jardin punk. On va accueillir également Daniel Cueff, donc qui est l'ancien maire de Langouette et qui a participé au mouvement anti-pesticides, et donc qui va venir nous présenter son dernier ouvrage, et puis d'autres au fur et à mesure. En fait, tout ce qui est nouveau, on sent que ce quartier, il a envie de redécouvrir tout ça, en fait. Et c'est en redécouvrant plein de choses très différentes qu'on recrée du lien, de l'entraide, qu'on va rompre l'isolement, voilà. Et c'est vrai que le fait d'inclure, en fait, d'implanter vraiment cette librairie-là sur le quartier du Blône, c'est aussi de dire que dans les quartiers périphériques, ben, il y a aussi une vie culturelle, il se passe aussi plein de choses, et qu'on aime aussi lire, et qu'on est très ouvert, et voilà. Parce que toutes les librairies sont en centre-ville ou à l'extérieur, en fait, sur les grands centres commerciaux. Et là, de se dire, ben, en sortant de l'école, mais je dis ça parce que vraiment, depuis 3 jours, c'est ce qui se passe. En fait, en sortant de l'école, les enfants viennent avec leur goûter. Donc, on va discuter un peu des activités du petit Blonneur en prenant un café, un goûter, tout ça. Puis après, ils vont bouquiner. Il y a un canapé. On va se mettre à lire, à discuter, à parler du spectacle du Triangle. Et il y a une vraie vie culturelle, en fait. Pour moi, l'établi des mots dans 5 ans, ça sera une librairie généraliste, coopérative et indépendante, mais qui aura pris de l'ampleur et de l'envergure, avec encore plus de coopérateurs, coopératrices, habitants, mais aussi associations et acteurs, pour continuer à développer la culture, la lecture et l'accès aux livres le plus largement possible dans le quartier. Ça sera un partenariat fort et une dynamique forte avec les écoles du quartier. On est sur un quartier où il y a plus d'une dizaine d'écoles, collèges, et donc il y a déjà des contacts qui ont été pris, et dans 5 ans, on sera présent aussi à participer à des animations avec les écoles. On sera en participation aussi avec la bibliothèque, avec le centre culturel du Triangle. Voilà, et ça sera naturel de venir sociétaire et de venir participer à la librairie L'Établi des Mots. Je pense, moi, un de mes enjeux forts dans ce lieu-là, c'est que ce soit vraiment la librairie du Blône et donc des habitants et habitantes du Blône. Et qu'on arrive, je pense, dans 5 ans, à ce que, en personne qui fréquente le lieu, donc clients, lecteurs, lectrices, mais aussi en sociétaire, on est vraiment le plus de représentativité des cultures, histoires, parcours et personnes qui sont présentes sur le quartier. Je pense que moi, c'est l'enjeu fort que j'ai dans ce projet-là et qu'on porte collectivement. Enfin, c'est pas que moi, heureusement. En fait, dans 5 ans, moi, j'aimerais bien que les gens soient tellement investis dans les projets sur le quartier, que ça leur semble tellement naturel, en fait, de venir participer à ces projets-là, que finalement ce soit eux qui gèrent. En fait, j'aimerais que les projets de l'ESS, en plus de la librairie, mais que ce soit tellement normal, en fait, parce qu'on est vraiment citoyen du quartier, de se dire, bah, nous aussi on va participer à ça, et qu'il n'y a pas, je parle pas bien français, je lis pas bien, je sais pas, hein, je viens d'ailleurs et tout ça, et que tout ça, en fait, ce soit que des richesses. Ah.